Alouette, toujours plus d'invités. Notre invité ce vendredi, c'est Amel Ben. Bonjour. 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 C'est vrai que 2020, ça a quand même été un peu le retour. Et puis là, 2021 commence bien. Et je suis très heureuse d'être là. Attic, je l'ai rencontré là pour la première fois au Parc des Princes, il me semble. Parc des Princes, pendant un match de foot. Ouais, pendant un match de foot. Et c'est vrai que j'avais déjà vu des vidéos de lui, des espèces de... D'ailleurs, c'est pas des espèces de... Il faisait des freestyles et je trouvais qu'il rappait de ouf. Et je l'ai reconnu et ça l'a beaucoup touché. Sauf qu'à ce moment-là, il a pas encore fait valider, etc. Mais par contre, il l'a gardé en tête. Et un jour, on discute avec Vita, enfin toute l'équipe avec qui je bosse. Et on se dit, purée, un duo avec Attic, ce serait dingue. Je lui envoie un petit message, je lui dis, coucou, c'est Amel Bent. Je sais pas si ça peut te chauffer, mais j'aimerais bien faire un titre avec toi. Il me dit, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a X années au Parc des Princes, quand j'étais personne, quand j'avais encore rien fait, je faisais des freestyles sur le net et tout. Il me dit, mais je viens tout de suite. Alors, j'ai toujours en plus clamé que je ne ferai jamais juge, juré, coach et compagnie. Et puis c'est vrai qu'ils m'ont fait cette proposition au départ chez les enfants, à un moment où moi j'avais plus envie de chanter, où c'était compliqué, ma vie de maman m'avait un petit peu tiré trop loin, trop à l'extrémité de ce que je faisais en chanteuse, et reprendre la musique avec les enfants dans ce contexte-là m'avait fait énormément de bien. Et puis j'y ai pris goût à ce fauteuil et à cette aventure humaine. Alouette. C'était hyper cool d'être avec vous, vraiment vous êtes top. Première radio régionale de France.